Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette update lecture du mois d'octobre. Et cet automne, j'ai lu beaucoup de livres à l'atmosphère Halloween, cocooning et automnale. Alors on va parler de fantômes, de sorcellerie, de créatures, d'ambiance un peu parfois enfantine, voire effrayante. Et franchement, ce mois-ci, j'ai lu vraiment pas mal de livres, j'ai découvert des livres incroyables, j'ai eu des gros coups de cœur et aussi des petites déceptions. Et en tout, j'ai quand même 14 livres à vous présenter, dont 8 romans et 6 livres graphiques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une sorte de petit classement qui va refléter tout simplement ma préférence par rapport à ces livres, puisqu'il y en a quand même 14. Et comme ça va me permettre de vraiment détecter mon plus gros coup de cœur. Donc je vais faire ça avec vous, je vais essayer de sélectionner le meilleur livre, celui que j'ai préféré. Je me base simplement sur mon ressenti de lectrice pour faire ce classement. Je vous embarque avec moi dans l'ambiance toute chill de l'automne avec une petite dose de frissons. Et je vous montre ça tout de suite. On commence par la partie des romans, c'est parti. Pour commencer cette update lecture en beauté, j'ai un livre très perturbant à vous présenter. Enfin, pour ma part, ça a été perturbant à lire. Il s'agit de La Maison des Morts, qui est écrit par Sarah Pinborough aux éditions Milady. Ce roman, c'est un livre qui est assez dur à lire émotionnellement parlant. C'est un roman dystopique et dramatique qui va toucher des sujets très sensibles comme la maladie, la mort et l'enfance. Dans cette histoire, on va parler d'amour, de guérison et d'angoisse, le tout dans le cadre d'un sanatorium. On va donc y suivre l'histoire terrifiante de Toby, pour qui la vie va vraiment basculer suite à un simple test sanguin, puisqu'il va alors être envoyé sur une île déserte avec d'autres enfants qui sont jugés comme étant déficients selon leurs tests sanguins, et ils vont être surveillés par d'impassibles infirmières qui vont vraiment attendre le moindre symptôme de la part de ces enfants pour agir. Et croyez-moi, quand je dis agir, c'est vraiment des choses pas cool qui se passent. Je vous en dévoile pas plus que ça, mais bon, on est dans un sanatorium, donc l'ambiance est assez angoissante. Et le personnage principal va être amené à rencontrer une jeune fille, déficiente également, qui va donc arriver, débarquer elle aussi sur ce lieu. Et ils vont tous les deux en fait tomber amoureux, donc ça va lui redonner de l'espoir. Mais c'est une histoire qui est vraiment touchante, qui parle de la mort évidemment, et qui parle aussi d'amour, mais elle aborde la mort d'une manière assez belle finalement. Si je devais vous donner mon avis sur ce livre, je vous dirais que j'ai passé un assez bon moment. C'est quand même un très bon livre, c'est bien écrit, c'est très immersif. Mais c'est vrai que je suis peut-être pas le bon public pour ce genre de livre, puisque c'est vraiment du dramatique, c'est angoissant, et moi ça m'a un petit peu déprimée, puisque voilà, c'est difficile à lire, c'est une thématique qui est lourde. Donc si vous aimez les sujets dramatiques, je pense que vraiment foncez, lisez-le parce qu'il est génial. Après, si vous êtes fragile comme moi, c'est peut-être pas une très bonne idée. À vous de voir si vous aimez la souffrance, mais sinon ça reste un très bon livre. Je regrette pas du tout de l'avoir lu. En plus, l'édition, elle est vraiment super belle. J'aime bien en fait qu'ils aient fait les pages en noir. Ça ajoute vraiment cette noirceur qu'on retrouve justement dans l'écriture. Donc ouais, pour celui-ci, pour le moment au niveau du classement, bah comme c'est le premier, il est en tête du classement et on verra s'il garde sa position dans ce classement. Maintenant, on va vraiment changer d'ambiance puisque cette fois-ci, je vous emmène au cœur de la forêt dans une petite ambiance toute douce et mignonne avec Mémoire de la forêt qui est écrit par Michael Brun Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Et ce livre, j'ai vraiment adoré, il était génial, c'était super mignon. C'est vraiment une très belle histoire qui se passe au cœur de la forêt où on va suivre Ferdinand Taupe, qui est un animal, un habitant de la forêt qui est malheureusement sujet à des troubles de la mémoire. Et on va aussi y suivre Archibald Renard, qui tient une librairie dans la forêt de Belle-Écorce. Librairie dans laquelle les animaux ont le droit de déposer un livre qu'ils ont écrit en espérant qu'il soit un jour
acheté. Et c'est justement ce qui va miraculeusement se produire concernant Ferdinand Taupe. Son livre va être acheté par un mystérieux habitant de la forêt, sauf que malheureusement, il voulait justement le récupérer pour relire ses mémoires et se rappeler sa vie, puisqu'il est sujet à des troubles de la mémoire. Il voulait donc retrouver ce livre tout simplement pour se souvenir des personnes qu'il a aimées, des choses qu'il a faites, enfin sa vie tout simplement. Et même si c'est un livre jeunesse, ça traite d'un sujet sensible qui est vraiment très bien abordé. La nature se déploie majestueusement dans cet ouvrage. On plonge dans les entrailles de la forêt et au cœur de la mémoire de Ferdinand Taupe petit à petit, puisqu'on va y revivre certains de ses souvenirs. Et j'ai vraiment adoré le dénouement que prend l'histoire. Je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, je trouve que c'est une aventure qu'il faut découvrir. Ça aborde brillamment les troubles de la mémoire. Et au niveau de notre classement, je mettrai celui-ci pour le moment à la première position. Donc, il prend la place de La Maison des Morts et se met en tête du classement, puisque pour le moment, c'est vraiment celui que j'ai vraiment pris le plus de plaisir à lire. Je vous le recommande vraiment. Et ensuite, j'ai un vrai coup de cœur à vous présenter et il s'agit de Alex Verus Destiné qui est écrit par Bénédicte Jacquat aux éditions Anne Carrière. Et ce livre, ça a été une révélation tellement j'ai adoré. Si vous ne connaissez pas, c'est donc une série littéraire d'urban fantasy policière. On va donc y suivre le personnage principal de cette histoire qui est un devin, c'est-à-dire qu'il peut lire l'avenir comme dans un faisceau de probabilités et il tient une boutique de magicien au cœur de la ville de Londres. Sauf qu'il va se retrouver mêlé à des problèmes puisque sa curiosité va le faire rentrer dans une histoire qui ne le concernait pas. Mais dans cet univers, les devins sont des êtres très curieux et du coup, ils ont soif de connaissances et d'apprendre. Alors bien souvent, ils se mettent dans des histoires pas possibles en voulant enquêter ou découvrir des choses. Et vraiment, c'est un thriller fantastique qui est génial, où vous avez de l'humour, des bestiaires fantastiques, des batailles, des sortilèges. Enfin, vous avez un petit peu tout le lexique de la fantasy, de l'urban fantasy. Et franchement, j'étais à fond dedans. Vous savez, ce genre de livre où quand vous lisez, vous oubliez que vous lisez, bah, ça m'a fait cette sensation avec celui-ci. J'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est une saga littéraire que je vais évidemment continuer et je vous le recommande vraiment, vraiment si vous aimez la fantasy. Après, au niveau du classement, je pense que je le mettrai du coup en première position puisque vraiment. J'ai adoré, donc je mettrai celui-ci en première position. Du coup, Mémoire de la forêt et La Maison des Morts descendraient d'un cran. Et pour le moment, c'est celui-ci qui est en tête. Il le mérite vraiment parce que c'est génial. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette saga. Moi, je sais pas pourquoi je suis passée à côté de ça, mais bon, il est jamais trop tard. Donc, je lirai la suite. Et on continue avec les coups de cœur, puisque cette fois-ci, vous le savez peut-être déjà, mais je suis hyper fan de Miss Peregrine et les enfants particuliers que j'avais lu il y a plusieurs années et du coup que j'ai relu ce mois d'octobre. Et donc, c'est écrit par Ransom Riggs aux éditions Le Livre de Poche. On est cette fois-ci sur de la littérature jeunesse fantastique qui donc nous dévoile plein de monstres, de pouvoirs, de voyages dans le temps, le tout dans un contexte historique lié à la Seconde Guerre mondiale. Dans cette histoire très mystérieuse, on va y suivre Jacob qui va malheureusement assister au meurtre de son grand-père qui lui racontait, étant plus jeune, avoir vécu sur une île tenue par un orphelinat où des enfants particuliers auraient vécu, des enfants avec des pouvoirs et qui donc fuyaient la guerre. Dans ce livre, il y a une atmosphère qui est très mystérieuse puisqu'on va y suivre Jacob qui va tenter désespérément de retrouver les origines de ce que racontait son grand-père pour vérifier si c'est vrai ou si ça sortait de son imagination. Et ce que j'ai trouvé génial dans ce livre, c'est qu'on a des photographies authentiques de l'époque qui apportent ce côté encore plus étrange à l'histoire, mais qui du coup lui donne une part encore plus fascinante. Et j'ai adoré le mélange entre tout ce qui est fantastique, à savoir les monstres, les pouvoirs, les créatures, le danger, les voyages dans le temps,
mais tout ça mêlé à des sujets beaucoup plus sensibles et beaucoup plus graves, c'est-à-dire la guerre, le nazisme, les persécutions faites aux juifs pendant cette période historique. Et pour que vous puissiez un petit peu plus saisir l'atmosphère, c'est un livre qui a été adapté au cinéma par Tim Burton, donc ça vous donne tout de suite un petit peu le style de l'ouvrage, hein. Vraiment, on est sur de l'étrange, mais du fascinant, un petit peu effrayant. Enfin, j'adore cette ambiance, je vous le recommande vraiment celui-ci. Et si je devais le classer dans notre classement, pour le moment, j'ai mis du coup la saga Alex Verus en première position. Mais je pense que je placerai celui-ci en tête parce que c'est une saga que j'ai déjà lue en entier. Donc je sais à quoi m'attendre pour la suite. Donc c'est vraiment une valeur sûre, mais sans hésitation. Donc je le mettrai en première position. Alors ça décalerait un petit peu tout le reste. Mais ouais, franchement, pour moi, c'est vraiment ce livre, ça reste un coup de cœur. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Ça peut vous plaire si vous aimez la fantasy, la littérature jeunesse et tout ce qui est un petit peu bizarre. Ensuite, pour ce mois d'octobre, j'avais vraiment envie de lire Les yeux du dragon, écrit par Stephen King aux éditions Flammarion. Et au début, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée, c'est ce côté un petit peu écaille sur le livre. Si vous ne connaissez pas ce roman, c'est donc un conte fantastique qui se déroule pendant la période du Moyen Âge et qui va traiter de sorcellerie essentiellement. C'est un thriller où on va suivre un personnage à qui il arrive quelque chose de vraiment pas très cool, puisque le royaume dans lequel se déroule cette histoire est sous l'emprise d'un sombre magicien qui sévit depuis déjà plus de 400 ans. Il est là depuis longtemps et il empoisonne un petit peu les lieux, l'ambiance, les relations. Et voilà, c'est une sorte de manipulateur, un magicien vraiment pas sympathique du tout. Et suite à tout ça, le personnage principal de l'histoire qui est Peter va se retrouver placé en prison à cause d'une sorte de manigance. Et pour se sortir de cette situation, en fait, il va devoir se débrouiller. Et c'est ça, on va suivre son histoire pour essayer de s'évader de cette prison. C'est de la fantaisie médiévale qui est vraiment très sympa à lire. Et ce que j'ai adoré, c'est que ça mélange le côté nostalgique des contes avec la plume effrayante de Stephen King. Et je trouve que c'est un cocktail qui passe super bien. L'atmosphère, elle est angoissante. On y découvre plein de secrets au dénouement mortel. Pour en revenir à notre classement, je placerai ce livre du coup à la troisième position. Donc juste après Alex Verus et avant La mémoire de la forêt. Puisque c'est une ambiance que j'ai trouvée incroyable pour le mois d'octobre. Ça matchait super bien. Le mélange du conte et de l'horreur, c'était parfait. Donc j'ai adoré ce livre. Et vous avez aussi des illustrations à l'intérieur. Donc voilà, il intègre notre classement en troisième position. Et ensuite, toujours dans cette ambiance un peu sombre et effrayante, j'ai lu Le passage du diable, écrit par Anne Finn aux éditions L'École des loisirs. C'est donc un livre d'horreur qui s'inscrit étonnamment dans la catégorie de la littérature jeunesse. Dans ce livre, on va parler de la pratique du vaudou, de mystères et de secrets de famille dans une ambiance vraiment angoissante. Et j'étais surprise de retrouver ce livre dans de la littérature jeunesse. Mais écoutez, c'était super bien. Je ne vais pas vous en parler beaucoup puisque je vous en ai déjà parlé dans un vlog lecture. Mais dans cette histoire, on va y suivre Daniel qui est sous l'emprise de sa mère qui refuse qu'il sorte de chez lui. Et lorsqu'il va être enfin libéré de cette emprise, il va garder avec lui une maison de poupée qui serait la réplique exacte de la maison natale de sa mère. Et c'est vraiment un livre qui était fascinant parce que ça fait vraiment comme si vous avez des petites pièces de puzzle qui s'assemblent pour faire du coup un univers très captivant et vraiment. Ça fait peur sans trop faire peur vu qu'on est dans la littérature jeunesse. Je vous le conseille vraiment, il était super bien. Et si je devais classer ce livre, je pense qu'il prendrait la place du livre sur Les yeux du dragon écrit par Stephen King, puisque j'ai beaucoup aimé le côté horreur mélangé à la littérature jeunesse. Ça donne quelque chose d'assez intéressant puisque c'est suffisamment effrayant sans être trop perturbant. Alors il se place juste avant Les yeux du dragon. Alors ça décale un tout petit peu le reste. Et pour rappel, en première position, on a Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et ensuite,
Alex Verus qui ne bouge pas dans notre classement. Et ensuite, dans une ambiance un petit peu plus halloweenesque, j'ai lu Sabrina, l'heure des sorcières, les nouvelles aventures de Sabrina, écrit par Sarah Rhys Brennan aux éditions Hachette Roman. Et si vous connaissez la série Netflix, vous savez peut-être du coup qu'on va parler de sorcellerie, de magie, d'amour, et on va y suivre les débuts de Sabrina dans sa vie, dans sa jeune vie de sorcière, où elle est encore lycéenne, écolière à Baxter High, et donc elle va hésiter entre prendre le chemin de la lumière ou alors suivre le chemin de l'ombre pour rejoindre sa nature de sorcière. Et donc ça va être un livre assez ambiance adolescent, Halloween. Et écoutez, moi j'ai adoré la série Netflix et le livre, franchement, il est super bien. On retrouve vraiment cette atmosphère de la série. J'avais l'impression de regarder un épisode de la série, donc j'ai adoré. C'était super sympa. J'adore tout ce qui parle de sorcellerie en général et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire avec Sabrina, c'est qu'on suit vraiment son petit quotidien de sorcière et on se prend vraiment au jeu dedans. J'aime beaucoup son personnage et si je devais le classer, je le mettrais juste avant La Maison des Morts parce que c'est vrai que c'est une histoire que je connais déjà. Donc c'est pas par rapport à la qualité du livre ou quoi que ce soit, mais c'est plus le fait que c'est une écriture inspirée d'une série Netflix. En fait, on sait à quoi s'attendre. Donc, c'est un petit peu différent. J'ai eu moins l'effet de surprise, etc., que par rapport aux autres livres d'avant. Mais j'ai quand même préféré lire ça parce que, je vous l'ai dit, La Maison des Morts, c'était très sombre et difficile à lire. Donc, ouais, j'ai passé un super bon moment en lisant ce livre, mais il ne sera pas en haut du classement. Avant de passer du coup au livre graphique, j'ai un dernier roman à vous présenter et il s'agit de Vespertine qui est donc écrit par Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Ce livre, je vous en ai déjà parlé de toute façon puisque j'ai adoré, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu pendant ce mois d'octobre. Du coup, je vais vous en parler très rapidement puisque je vous ai déjà parlé de ce livre dans d'autres vidéos, mais en fait, on va y suivre Artemisia qui va suivre un enseignement pour devenir une sœur grise puisqu'elle vit dans un monde qui est hanté par de nombreux revenants et dont certains sont plus dangereux que d'autres. Et son rôle, ça va être de purifier le corps des défunts pour éviter qu'ils ne se relèvent et deviennent des esprits frappeurs, des esprits dangereux. Donc ça vous met tout de suite dans l'ambiance. C'est un univers de fantasy assez sombre qui est vraiment très intéressant. C'est un univers avec pas mal de noirceur, des personnages captivants. C'est un monde immersif avec des esprits qui se baladent un petit peu partout. Et ce qui va se produire, c'est que Artemisia va libérer une force puissante, une entité démoniaque et ça va pas se passer comme elle l'avait imaginé. Mais je vous en dis pas plus. Artemisia, c'est un personnage qui a une personnalité hors du commun. Elle est assez... comment dire? Elle a une personnalité atypique et c'est toujours très appréciable dans des univers comme ça de littérature, de fantasy. On n'a pas le cliché de l'héroïne. Elle est forte et elle est puissante, mais elle a aussi un côté assez mignon et touchant qui fait qu'elle est vraiment différente des autres héroïnes qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve ça vraiment très joli le travail qu'ils ont fait sur les pages, les décorations sur les pages. Et je voulais regarder avec vous l'intérieur du livre. Ouais, c'est ça. L'intérieur, en fait, on a une entité démoniaque qui est représentée sur le livre. Si je devais l'intégrer au classement, je le mettrais en troisième position, juste après Alex Verus, puisque même si j'ai adoré Vespertine, ça détrône pas cette saga d'urban fantasy. Et je continue cette update lecture avec les livres graphiques. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Et je commence en beauté avec un autre coup de cœur, cette fois-ci pour un manga. Il s'agit de L'Éden des sorcières qui est écrit par Yumeji aux éditions Kiyun. Et dans cette histoire, on est sur un fond de dark fantasy où on va y suivre Pili qui est une jeune sorcière et qui va être confrontée à la cruauté des hommes. On va découvrir cette jeune Pili qui tente de développer ses pouvoirs dans un monde post-apocalyptique puisque la nature a quitté la planète depuis longtemps. Et ce qui va se passer, c'est que Pili va donner naissance à un être mi-loup, mi-plante
et j'ai trouvé ça magique. La raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé ce manga, c'est que les dessins à l'intérieur sont vraiment très détaillés, c'est très fin. Ça fait un peu penser à l'univers un petit peu Ghibli, tous ces détails et en même temps cette magie qui ressort. Donc maintenant, il va falloir que je le classe. Mais du coup, je vais classer les graphiques à part, je ne vais pas les inclure dans le classement des romans. Et pour le moment, il va être en première position et il va être difficile à détrôner parce que c'est vraiment mon coup de cœur graphique du mois. On continue avec les livres graphiques, cette fois-ci avec Ellie et Gaston, L'Esprit de l'automne, qui est écrit par Ludovic Villain et Céline Desraignecourt aux éditions Ankama. Et cet ouvrage, il est tout mignon, c'est de la littérature jeunesse. C'est donc une bande dessinée jeunesse sur un fond de fantasy où on va suivre les aventures de Ellie et Gaston dans un univers mêlé aux saisons et en particulier à l'automne. On va donc y découvrir un univers mystérieux au cœur de la forêt où se déplace une source de magie. Le point fort de ce livre graphique pour moi, c'est l'harmonie des couleurs qui est incroyable. On sent vraiment l'esprit de l'automne qui se déploie dans ce livre et c'est vraiment cet aspect-là qui m'a le plus émerveillée. Ça fait vraiment replonger en enfance dans une palette graphique immersive. Je vous le recommande vraiment si vous aimez tout ce qui est assez cocooning lié à l'automne. Alors maintenant, pour le classer par rapport à la section des graphiques, je le mettrai quand même en deuxième position puisque ça ne détrône pas L'Éden des sorcières, qui est vraiment mon coup de cœur du mois, mais vraiment celui-ci était une super découverte. Ensuite, j'ai une déception à vous présenter. Il fallait bien que ça arrive parce que depuis le début, je vous bourre le crâne avec des coups de cœur et des livres que j'ai adorés, mais il y en a eu un qui m'a un peu déçue et pourtant j'en avais entendu du bien. Il s'agit du coup d'une bande dessinée Trizombie qui est écrite par Cazeneuve, Jacques Moir et William aux éditions Bambou. Et je suis assez mitigée sur cette bande dessinée. On est sur un univers gothique et loufoque qui aborde avec beaucoup d'humour le sujet de l'adolescence dans le cadre d'un cimetière qui est habité par beaucoup de morts-vivants qui y vivent. Nous, on va y suivre Trizombie qui est un petit zombie à l'appétit insatiable. Et à côté de ça, on va suivre Margotique qui est une adolescente qui visiblement rencontre des problèmes familiaux et qui ressent le besoin de s'évader et de se tourner vers justement cet univers sombre et effrayant. Et du coup, elle va rencontrer le chemin de ces petits zombies. Et ce qu'on va suivre à travers cette bande dessinée, en fait, c'est tout simplement des petites aventures que vont rencontrer ces personnages. Et ce qui m'a déçue, c'est pas le style de l'ouvrage, c'est pas le style graphique, etc. C'est au contraire, c'est le fait qu'on survole trop ce qui se passe. J'ai eu l'impression en fait que chaque page était dédiée à une petite histoire différente presque. Et du coup, c'est très expéditif. On lit un truc et hop, on passe à autre chose directement après. C'est un style de bande dessinée qui, moi, fonctionne pas trop bien avec moi en général parce que j'ai l'impression de survoler les choses, de pas rentrer vraiment dans l'histoire. Après, j'ai souri parfois en lisant cette bande dessinée. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas. Voilà, c'était moyen. J'étais un petit peu frustrée à la fin. Et donc, sans surprise, je le place à la fin du classement puisque ça ne change rien à notre classement déjà préétabli concernant les livres graphiques. Et après cet avis un petit peu mitigé, j'ai une pépite à vous présenter. Il s'agit de Sorceline qui est écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. Et c'est une bande dessinée jeunesse qui est géniale déjà par rapport à sa palette graphique qui est très bien réalisée. Ce livre, je ne vais pas vous en dévoiler beaucoup puisque je vous en ai déjà parlé dans un vlog, mais en fait, on va y suivre Sorceline qui est fascinée par les créatures magiques et elle va vouloir apprendre, faire un apprentissage sur les créatures. Alors, elle va aller dans une école spécialisée et on va y suivre ses aventures où elle va rencontrer plein d'énigmes, de mystères, de secrets. Elle va se faire des amis. On suit un petit peu son quotidien d'étudiante. Et je suis tombée amoureuse de cet univers d'apprentissage magique.
C'est un petit peu ce que ça m'a fait avec l'Éden des sorcières. J'aime bien tout ce qui est lié à la magie et surtout à l'apprentissage, comme s'il s'agissait d'un métier. Je trouve ça toujours passionnant. Donc ce livre, si je devais le classer, je le placerais juste après Ellie et Gaston, puisque c'est deux univers que j'ai adorés. Mais l'avantage avec Ellie et Gaston, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pages, donc le fait qu'il y ait beaucoup de contenu, ça permet de rentrer mieux dans l'histoire et j'aurais aimé que Sorceline soit plus long. C'est la seule chose que je pourrais lui reprocher en fait, c'est que c'est trop court. Mais sinon, j'ai adoré. Donc, il sera en troisième position. Et on arrive déjà à l'avant-dernier livre. Et cette fois-ci, j'ai une sacrée déception à vous présenter. Il s'agit de La Vampire de Barcelone, qui est écrit par Miguel Angel Parra, Ivan Ledesma et Randro González. Et ouais, c'était vraiment une déception pour moi parce que il faut savoir que c'est un livre historique qui relate des faits réels qui ont vraiment eu lieu, des crimes qui se sont passés à Barcelone. Et donc c'était une histoire qui pour moi pouvait être passionnante, tristement passionnante. Et en fait non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je suis pas du tout rentrée dans l'atmosphère, dans l'ambiance du livre. J'ai eu l'impression de passer comme ça dans l'histoire et de ressortir. Et voilà, ça m'a pas affectée. Alors que pourtant, le sujet traité est horrible, c'est triste. Mais je sais pas comment vous dire. Ça m'a fait ni chaud ni froid. En gros, cette histoire, elle relate les faits qui se sont produits en 1912 à Barcelone, lorsque la jeune Teresita, elle s'est faite enlever dans les rues. Et il va y avoir un tueur en série dans cette histoire. La police va être amenée à chercher à découvrir ce qui se passe. Et en fait, je vous en dis pas plus si vous voulez le découvrir, mais c'est une histoire voilà, de tueur en série. Et en gros, on va y découvrir une sorte de complot. Et vraiment, quand j'en parle comme ça, je me dis, mais en fait, ça peut être vachement intéressant, mais je sais pas comment vous dire, malgré que l'histoire, le sujet de l'histoire m'intéressait. Tous les ingrédients étaient là pour que j'aime cette histoire, mais j'ai pas du tout aimé. Après, à la fin, on a du coup des explications. En fait, on a des explications sur cet enlèvement en question. Et pour vous dire, j'ai trouvé ça plus intéressant de lire juste ces petites notes, ces annexes à la fin du livre. J'ai trouvé ça plus intéressant que l'histoire en elle-même. Et sans surprise, hein, si je devais classer ce livre, il serait bien évidemment en dernière position dans ce classement parce que. Voilà, ça l'a pas fait pour moi, ça arrive. Hein. Donc il serait du coup à la dernière position. Et on arrive au dernier livre graphique que j'ai à vous présenter. Et il s'agit des Contes macabres écrits par Edgar Allan Poe aux éditions Métamorphose et illustrés par Benjamin Lacombe. Dans ce livre, on va y retrouver des nouvelles assez sombres, morbides et glauques qui ont été écrites par le célèbre écrivain Edgar Allan Poe. Donc, on est sur de la littérature classique. C'est un très bel objet livre en lui-même. Je trouve qu'il a une allure quand même, ce livre. Et voilà, les illustrations apportent vraiment quelque chose de très intéressant au récit. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on plonge au cœur de la folie. Puisqu'on va y suivre des personnages qui ont des pensées vraiment morbides. C'est une œuvre magnifiquement sombre à travers laquelle s'entremêlent des folies meurtrières et des visions cauchemardesques. Et c'est une super belle édition pour découvrir ce classique de la littérature américaine. Si vous aimez Edgar Allan Poe, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose en plus de le découvrir illustré de cette manière parce qu'il y a des illustrations absolument somptueuses qui rendent cet ouvrage encore plus magique et étrange. Si je devais classer ce livre, je le mettrais juste après Sorceline. Alors certes, on n'est pas du tout dans le même niveau de littérature puisqu'on passe de la littérature jeunesse à un classique de la littérature, mais en fait, même si j'ai beaucoup aimé lire ce livre, ça reste, comme on le disait, de la littérature classique qui date quand même d'une certaine époque. Ce qui fait que l'écriture est très belle et très poétique et très profonde. C'est un univers qui est sombre, poétique et qui mérite d'être découvert. Mais il faut savoir que l'écriture est très soutenue due à son époque. Et si ça ne vous dérange pas, et ben allez-y, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Voilà donc pour cette update lecture qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et ce qui en ressort, c'est que finalement, les livres que j'ai préféré lire durant ce mois d'octobre, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers dans la catégorie des romans et L'Éden des sorcières dans la catégorie des livres graphiques.
ça reste les deux qui m'ont le plus marqué. Et si je devais en choisir deux, eh bien ce serait ces deux livres. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir des livres. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires. Est-ce que ces livres vous tentent ou est-ce que vous les avez déjà lus? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Sur ce, moi, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt !